Oh waouh, j'ai allumé la télé, oh waouh. Regarde un iPad là. Oh, oh c'est sûr, c'est Momo ça. Plein de bouquins et tout. Headshot dans le canapé, tiens. Voilà, voilà le canapé, voilà. J'ai toutes les partitions les gars. Ça vous va? Meilleur joueur de la planète. C'est là que j'ai trouvé les clés dans ton coffre. J'aimerais mieux les cacher. Let's go! Cacher ton coffre derrière les livres ne suffit pas. Ok, donc cacher le coffre derrière les livres. Ils sont les livres. Ils sont les livres. Sélectionner un objet à utiliser. Oh là 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 là. Oh le speedrunner frérot. C'est un carnet étrange orné de symboles. On dirait que celui-ci appartient à un certain Doc. Après une semaine de recherche, j'ai associé un spectromètre à une puissante lampe à UV. Avec cet appareil, on devrait pouvoir repousser les yeux en sortant. Première tentative fut explosive. Je vais peut-être tester dans les conditions réelles. Oh c'est ça la lampe à UV. J'ignore ce que ça veut dire, mais ça va nous servir donc plus tard. On devrait aller voir Momo dont le gardien nous a parlé. Ok, Momo, il va me filer une lampe UV, c'est sûr. Il y a un truc là, ici. Il y a un truc caché, ici. J'ai rempli un coup les gars. Excusez-moi, je ronfle fort. Il est où Momo là? Oh, j'ai fini tous les easter eggs, c'est incroyable. Je suis vraiment chaud hein, comme gamer. Hein. Je suis vraiment vraiment le meilleur gamer de la planète les gars. Il y a un moment il faut arrêter de douter quand même. Là il y a un mec qui a froid là. Lui il a froid là. Oh salut toi, t'as l'air bizarre, t'es chétif, pas comme les autres. Je sais que t'es censé te caresser mais je vais m'abstenir parce que je ne comprends pas pourquoi. Il y a ceux dont le code leur permet de comprendre le concept. Il y a ceux qui savent que l'extérieur sont trop résignés. Ils arrivent, tu peux imaginer ce qu'ils ressentent. Bon ferme ta gueule. Là! Attends, mais là c'est pour descendre, là je me fais niquer là, non? Tiens, je me fais niquer là, non? Bon, comment j'accède chez Momo là? Allez! Là, ici, là. Allez hop, speedrun. Où la porte, Momo? Momo! Oh, il fume la weed! Oh, il fume la weed! Weed shop! Plus fort! Je vais devoir lui repérer sa télé, je pense. Oh, il est trop triste, Momo! Tu veux un peu de weed, frérot? Viens dans mon shop! La ville forme d'un cylindre environ 450 mètres de diamètre. Il existe la ville dotée d'un plafond, s'y croit, n'est intégrée.
Les commandes sont inversées, c'est horrible. Heureusement que je suis un joueur de WoW et du coup j'y arrive. Ça ne marchera jamais. Pourquoi je l'ai laissé partir tout seul maintenant? Salut toi, qu'est-ce que tu veux? C'est une faute d'Alexeur, tu veux y aller? Bah te fatigue pas, c'est une perte de temps, tu ne trouveras que solitude et désespoir. Mes amis ont rêvé aussi. Maintenant qu'ils sont partis, je me retrouve tout seul. J'ignore, ils ont atterri, j'ai essayé de les contacter, mais cette merde ne fonctionne... Oh merde! De radio ne fonctionne pas. Mes amis et moi avons pris des notes sur les recherches à l'extérieur. Tiens, prends les miennes, tu devrais vraiment y aller. Ouais, donne tes notes à un chat, ouais. T'as l'air brillant, frérot. Que tu sais, maintenant, je ne veux plus entendre parler de l'extérieur, bonne chance. On m'a triste, ses amis lui manquent. J'espère que j'ai un avis gardé qu'il nous a donné. Nous devons atteindre l'extérieur, tout prix, nous devons protéger nos frères, nos soeurs, nous devons fuir les urges. C'est signé Clémentine, Sbaldatar et Doc et Momo. On dirait que le nom de Momo a été ajouté plus tard. Je crois que nous devrions trouver les autres carnets. Je les ai tous, c'est bon. Let's go. Tu cherches toujours les carnets utiles? Ouais. Prends ça déjà. Oh, tu as trouvé une note de Clémentine, elle était vraiment courageuse, tu sais qu'elle est la plus brave j'ai connue. Carnet de Doc. Oh, ça parle d'un Doc qui était vraiment féru d'électronique et tous ces trucs là. Toujours sur le point de faire une énorme découverte. C'est mon carnet, je suis le dernier à avoir rejoint les extérioristes. Merde, il me manque un carnet, sa mère! Attends, ça se trouve, il faut que je sauvegarde. Oh putain, il me manque celui de Zalbatar là. Là, il y a un truc là. Chat. Mais pourquoi les gens ils font ça, mec? C'est des connards! Il est où ce Sbaldatar là? Back Home 2? Back Home 2, je me souviens de ce jeu vidéo. Ah, c'est quoi? C'est pour. C'est un clin d'œil à Half-Life 2? Ouais, c'est ça. Hein. Je crois qu'il date juste après la création de ma mémoire. Après Scientifique, on y a joué pendant des heures. C'était amusant, il me manque. Pourquoi j'ai oublié son nom? C'était con, frérot. Où est-ce que ce Sbaldatar là? Sa vote sur le mot correspond à celui du carnet. Mais attends, mais j'y étais! On devrait vérifier s'il y a d'autres signes comme celui-ci. Il est là le carnet, bien sûr. Grimpe. Il est là le dernier, c'est sûr. C'est moi qui l'ai marqué. Oh, attends. Passage secret. Ouais, non. Non, 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 non. C'est de la douille. Donne le carnet. Améliore alimentation électrique de la ventilation. Il n'y a plus d'alimentation, c'est terminé. Headshot. Il est au carnet. Il est au carnet. Thank you.
Pourquoi je suis venu ici? Attends, c'est sûr. Il y a un carnet là. Là. Attends, vraiment là? Non, attends, c'est pas possible. Ok, il y a un souvenir là. Remarquez avec compagnon. Maintenant ils font ça tout seul. Les humains disent souvent que créer est important dans les situations désespérées. Dire que c'est actuellement le cas. Et c'est pas possible, c'est sûr, c'est là les gars. Regardez, il y a ce symbole de merde encore. Donc les gars, je récapitule. Un là-bas, et un sur moi, c'est sûr, ce baladar là. Il a dit cherche ses symboles. Vas-y, retourne. Où? Ça sert à quoi de venir dans cette pièce s'il n'y a rien? Secteur que tu devrais voir à partir des toits, essaye de repérer des logos d'extérioristes. Ah mais attends, mais c'est pas un logo d'extérioriste. Si. Oh attendez, il y a de la ventilation là les gars, vous avez vu? Attends, là, ici, là. Oh, je suis trop. Attends, mais c'est pas ça. Il y a des cartes postales, mais il y a rien, frérot, t'es fou, quoi. Il y a rien dans cette merde, là. Y'a rien, je peux rien interagir. Je perds mon temps ici. C'est juste un vieux passage pourri. Bon alors, les gars, c'est quel immeuble que j'ai pas fait là? Là-bas, non? Ça là-bas, je l'ai eu. C'est le journalisme. Je l'ai eu le carnet ici là? On va aller check, mais je crois que je l'ai eu. Non, je l'ai pas ici! Je l'ai pas ici, les gars! Ok, donc le dernier il est où? Oh, attends, il y a un truc là. Putain, j'ai pas un truc. Partition. Putain, j'ai chopé une partition. Waouh.
Donc le dernier, c'est sûr, il est là-bas. Pas très fluide comme jeu. Oh, attends, il y a un distributeur. Boisson énergisante. Oh oui. Ça me fait combien de boissons énergisantes? J'en ai que deux. Putain, il m'en manque une troisième. Ok, chat. Elle est où la dernière? Oh, elle est où la dernière? Un. Deux. Et trois, c'est sûr, c'est là-bas, putain! Les cartons, non mais vous êtes sérieux, les gars? Vous pouvez faire tomber les cartons, vous êtes fous! Les gars, vous êtes fous, j'aurais jamais fait ça en tant que game designer. Jamais j'aurais fait ça, les gars. Les gars, un game designer n'est pas assez fou pour faire ça, je vous dis. Jamais, 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 t'es fou quoi. Non, ça marche pas comme ça les gars, les jeux vidéo. D'ailleurs, un passage secret. T'es au milieu de la PS. Oui, c'est bon, j'ai même pas envie de dire. J'ai trouvé un défaut de conception dans la radio, mais je crois savoir comment le réparer. Voici l'équation. Oh putain. En fait, le moyen de remonter, montrons-lui. Non, mec, c'était là depuis. Qui l'avait vu? Qui l'avait vu, les gars? En même temps, c'est tellement drôle dans cet appartement, les gars. Ouais, ouais, bien sûr. Moi, ouais, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Moi aussi, je l'avais vu. La balade du robot solitaire. Stylé celle-là. En vrai, c'est possible de faire une guitare avec un bidon de carburant comme ça. Stylé. J'aime bien celle-là. J'aime bien celle-là. J'aime bien celle-là, c'est la meilleure. Très bien. Bravo, Cucklord. Non mais j'ai tellement de partitions, mon frérot. Information d'importance relative. Ah! C'est composé par un algorithme de renom. Putain, il manque juste une canette là pour finir le jeu. Oh! What the fuck? Chat, c'est quoi le code? Chat, c'est quoi le code?
47-48. Mais non, t'es bête toi, quoi. Inspecte la note que tu as prise. Je savais même pas que j'avais pris une... Cris, suis les chiffres. Mais on dirait un langage binaire, une succession de 0 et de 1. Il va y avoir un moyen de déchiffrer le code, c'est sûrement celui du coffre. Bon. Il n'y a pas 0, frérot. Merde! Il n'y a pas 0! Mais comment je déchiffre le code? Il est con, quoi, lui. Attends, mais il y a peut-être moyen d'inspecter la note sans la lire, quoi, tu sais. Examiner. C'est quoi le code, les gars? Va voir le geek, demande à un robot d'inspecter la note. Putain, vous êtes trop malin, c'est trop. Vous êtes trop malin. T'as quoi de binaire? Bien curieux que seul un vrai geek peut lire ça. Ah, c'est le geek avec son ordi là! Oh là là! Ben ouais, bien sûr, je l'ai, les gars! C'est moi qui ai trouvé! C'est moi, je l'ai trouvé! Le geek avec l'ordi. Oh, je suis chaud quand même! Ouvre la porte, je te bute! C'est bien, bon toutou! Oh là là, je suis chaud! Il manque une canette, les gars! Une seconde, je dois qualifier Bremer lentille. Et voilà, ça veut dire Duffer Bar. Bizarre qu'on donnerait rendez-vous via un code binaire. Duffer Bar. Duffer Bar, là. J'ai gagné. 1, 2, 8, 3. J'ai gagné, encore une fois, mesdames et messieurs. Le meilleur joueur de la planète. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Dis-moi que j'ai toutes les partitions du jeu là, parce que là c'est trop là. Ah, j'ai toutes les parties au jeu, les gars. C'est la même merde que tout à l'heure. Chat, il manque une boisson énergisante. Elle est où? Un sub de sub 3, sub, un sub de sub 3, sub. C'était quoi mon objectif là? Il faut que j'aille retourner voir l'autre coq. Thank you.
Terre. La Terre est la troisième planète auprès du Soleil, cinquième plus grand système solaire. La masse en diamètre. À ce jour, l'unique objet céleste connu pour héberger la vie. Si on croit que la datation radiométrique, la Terre est vieille de 4,5 milliards d'années. Hérésie, elle n'a qu'un seul satellite naturel, la Lune, qui s'est formée juste après. L'interaction gravitationnelle avec la Lune, genre, elle est rompue. Ouais, au moins. Tiens! On va voir le musicien? Parce que c'est un de radio, elle peut réparer, c'est incroyable. Ça veut dire qu'on devrait pouvoir communiquer en dehors des taudis. Quentin, m'excuse de l'avoir doublé, je vous promets, je trouverai le moyen de remonter à la surface. Merci, on pourrait trouver un moyen de te faire monter. Maintenant, réparons cette radio pourrie. Et voilà, ça marche! Viens avec moi! Attends, apparemment il faut que j'aille voir le musicien vu que j'ai donné toutes les putains de partitions. Attends, bouge pas. Oh, la fenêtre est fermée, putain. Ouvre la porte! Les gars, je suis baisé, je me suis en toc. Là où tu vois ce bâtiment qui dépasse les autres. Si tu installes l'émetteur au sommet de cette tour, on devrait pouvoir communiquer avec toute la ville. Mes amis pourraient être encore là-bas. C'est moins de sortir, ils sauront où c'est. Tu es seul à être aussi petit pour rapide pour échapper aux urques. On a besoin de toi, petit extérioriste. Fais-nous monter jusqu'au ciel. Ouais, bah, laisse-moi voir le musicien, là. Je me suis cuck, là. Putain, je pourrais plus jamais revenir en arrière, chat. Putain, je me suis niqué. Oh le bâtard. Oh le bâtard. T'imagines, tu confies ta vie, la vie de tes amis, le sauvetage de tes amis à un putain de chat. Putain, la gueule que t'as. Les toits. Tum, tum, tum. Les toits, les gars. C'est parti. Je gagne. Excuse-moi, attendez, j'ai bugué les gars. Là, ici, là. Headshot. Aïe, 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 très beau. J'ai la strat. Allô? Allô? C'est là, hein. Ok, les gars, c'est parti. Headshot dans la tête. Ah! Headshot, bitch. Grand cocklord. Headshot, headshot. Je me rappelle.
La ville est pleine de néons, ça n'a toujours pas été le cas. Des plafonds énergétiques stricts avaient été établis, surtout dans les taudis. Mais les gens ne supportaient plus d'être dans le noir en permanence. Un jour, quelqu'un allumait des lampes arc-en-ciel, des panneaux de néons, toutes les maisons. Cette personne a été arrêtée, on ne l'a jamais revue. Et les gens ont senti une note d'espoir et à peu près ils se sont mis à placer des lampes partout sur leur maison. La répression s'est retrouvée impuissante. Pour les gens, c'était une façon de revoir la couleur comme dans l'extérieur. Je crois que c'était utile. Comment je suis malin! Je suis extrêmement malin! Pour Coquelord, pourquoi tu veux absolument aller à l'intérieur? Oh le timing! Je gagne, j'ai gagné, j'ai gagné. Oulala, oulala, il y a de la graisse. Pirater la porte. Oh putain, ils arrivent. Oh putain, ils arrivent les gars, ils arrivent. Je les ai enfermés ces bouffons. Et là, regardez bien, regardez bien. Pirater la porte. Enfermé de l'autre côté, bande de bouffons! Je suis trop intelligent. Trop intelligent. Intellectuellement supérieur. Oh putain, il y en a beaucoup là-bas, les gars! Il y en a beaucoup là-bas! Ils dorment! Les graisseux. C'est des œufs. J'ai gagné. Voilà, c'est bon, j'ai gagné. Je pensais que le jeu allait être un... Non, en vrai, non, je pensais pas que ça allait être aussi plus compliqué. Oh, oh putain de merde. Oh putain de merde. Mettre une grenade. Il me faudrait une grenade. Putain, il me faudrait une grenade, les gars. Ça te donne des frissons de dégoût? Bah, ça va. Pour... Regarde le petit chat, mec. Regarde le petit chat et t'inquiète pas, tout va bien se passer. Headshot, headshot, headshot. Headshot. Le plan a été écrit à l'avance. Je vais où? Ah! J'ai gagné, je gagne toujours, bande de noobs. Jeu pour enfants. Qu'est-ce qu'il est con ce chat! Putain, mais. Je fais quoi avec ça, moi? Je fais quoi avec ça, moi? Ah putain, il faut peut-être que je le fasse passer de l'autre côté, les gars. Ah ouais, c'est ça. Espérons que je suis assez agile et pas con. Oh ouais, il faut que ça passe là, ça passe parfaitement dans le truc. Il y a un monde où je fais ça, non? Ah non. Il y a des gens, ils ont peur là?
Il y a des gens, ils ont peur là. les gars, il y a un moment. Il y a un moment, il y a des efforts à faire, les gars. Mais ils ont peur. Oh wow! Donc ça c'est la tour radio les gars. Oh putain. Ok là c'est les boss. Facile. Ok la musique est bien, ça va, ça va. C'est bon, je joue à Code Zombie moi, tu me prends pour qui là? Eh, je joue à Code Zombie moi, tu me prends pour qui là? Headshot. Virage serré. Oh la Formule 1. Clic clac, le petit saut, c'est ça. Le dernier petit virage. Clou 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 clac clic clic clac clou. Le jump. Hop là, c'est terminé. C'est les bêtes qui ont, à mon avis, c'est le Covid qui a muté. Je pense qu'on est dans un monde assez évolué où le Covid a tellement muté qu'il n'y a plus que les chats qui sont en vie. Parce que les chats sont bien moins cons que les êtres humains. LOL. Pas du tout. Les chats sont giga cons. Arrêtez un peu. Genre les mecs qui ont fait trop vrai. Non, non. Votre chat il est con, les gars. Arrêtez un peu. Votre chat il est giga con. Ah, tu crois que votre chat il est intelligent, les gars, il est giga con. Ok. Oh, mon chat il est trop intelligent. Wouh. Non, il est con. Il est trop con. Oh, waouh. Oh wow! Qui a mis ce pot ici de peinture? Wow, incroyable! Merci. Hashtag merci pot de peinture. Regarde cette vue, c'est très beau ici, ta gueule. Je reviens de cette ville, elle devrait sortir de l'abri. Regarde les étoiles. Mais ce sont que les lumières qui jalonnent le toit hermétique qui scelle cette ville. Ah ouais, en fait, on est dans une ville qui est scellée par un faux toit, quoi. L'humanité a construit ses croquis pour se protéger contre l'extérieur, mais en contrepartie, plus personne ne peut sortir. L'extérieur fut dévasté, totalement aride, invivable et dangereux. Mais si c'est de là que tu viens, ça veut dire que c'est à nouveau possible. Je n'avais pas seulement promis d'aller dans l'extérieur, j'avais aussi promis d'ouvrir la ville. Oh, la mission, les gars, la mission, elle est incroyable. Je ne comprends toujours pas pourquoi certains souvenirs reviennent et d'autres pas. Je suis certain, c'est ma raison d'exister, je dois ouvrir la ville. Allez, retournons voir Momo. Maintenant qu'on a branché la radio, on devrait aller pouvoir trouver de l'aide. Toujours revenir sur ses pas, les gars. Easter Egg Gamer. Il n'y a pas de Easter Egg, de toute façon, dans ce jeu de merde. Dans ce super jeu, pardon. Banzai, les gars! Oh, le Avengers 4 héros, quoi, qui revient en mode c'est bon, c'est bon. La radio a été posée, chef. Le Toddy, partie 2. Il m'a vraiment laissé une note, le malade mental. Il a laissé une note au cas où si le chat y revient. Regarde une note. Petit extérieur, si tu y ça, c'est que tu as une grande vie, excellent. J'ai emmené du matériel au bar pour profiter de leur antenne, viens me retrouver. J'ai bloqué la fenêtre, mais le code pour l'ouvrir est assez simple, c'est... Attention, il est sensible à la casse, on se retrouve au bar au moment. C'est le code pour la fenêtre à côté de l'entrée, allons-y.
Hein? Waouh, c'était dur. Ok, le musicien, les gars. Descends ou je t'enclenche. Il manque toujours une canette, les gars. Normalement, il y a toutes les partitions du jeu, lui. Hein. Tu crois pouvoir en trouver plus? Mais mec. Y'a R! Il manque une caisse! Néco, il pousse dans le noir, pas besoin de soleil pour aimer la nature. Putain, ça c'est stylé quand même. J'aimerais bien avoir une plante comme ça. C'est vraiment stylé. Une boisson. Une boisson, deux boissons, une... Une seule, les gars, pas deux, pas trois, une seule. Y'a un mec là, il a froid lui. Oh. Ce type nettoie encore la peinture, au moins il sait quoi faire de toute sa lessive. Donc elle est bien le style de mémé, elle a beaucoup de talent, tu sais. Surtout va pas l'aider, hein. Il y aura un branlé là, près de tes poubelles. La T1-4 ou la D1-4 va sur le distributeur sur les toits. Je l'ai déjà eu là. Et la boule de poil, viens voir, j'ai réussi à capter le signal. Oh, réaliste. Billy. Ouais, donne-moi une canette. Oh, il est trop mignon. Oh le bâtard, il me prend pour un chat. Voyons si je peux faire marcher ce truc là. Hein? Ackerman! Allo, quelqu'un m'entend? Allo, oui, on t'entend, on vient des taudis, on cherche une sortie. Attends, c'est toi ce baldatar? Momo, pshh. C'est incroyable, je suis trop content d'entendre le son de ta voix, ce bâtard. Où es-tu? Les autres vont bien? Oui, pff. Ça va, on a retrouvé comment monter. Pff. Allô, tu m'entends toujours? Il faut passer par les égouts pour nous retrouver. Pff. Très dangereux, pff. Les urs sont partout. Pff. Les égouts, comment ça? Allô? Bon sang, on a perdu le signal. J'y crois pas, ce balbâtard avec les autres extérieurs et terroristes, ils ont réussi à me remonter par les égouts. Les égouts sont l'endroit le plus dangereux des taudis. Mais si ce balbâtard l'a fait, il doit y avoir un moyen. Oh. Vous ne passerez jamais par les égouts, c'est infesté de zurks. Il ne ferait qu'une bouchée de vous, et surtout de toi, mon petit. Beaucoup ont déjà tenté leur chance, ça finit toujours mal. Enfin, je vous avais prévenu. Et puis, c'est pas mes oignons, de toute façon. Pfff, Simus.
Son père Doc était un grand scientifique. Il travaillait sur une nouvelle arme pour combattre les Urks. Il y a quelques années, il allait tester cet appareil et n'est jamais revenu. Depuis, Seamus n'a plus jamais été le même. N'écoute pas Seamus, il a aussi peur que moi, c'est tout. Si Doc a fabriqué une arme, c'est notre moyen de rejoindre les terroristes. Dans son carnet, Doc évoque un labo secret à plusieurs reprises. C'est sans doute l'endroit où il l'a conçu. Il y a donc peut-être un indice dans l'appartement de Seamus. Allez, suis-moi. Une canette, deux canettes, pas une canette, une seule canette. Pas deux canettes, une seule canette, chat, une canette. J'ai la canette près du musicien. La canette sur le toit. Ah, ensuite. Ensuite les gars, la dernière canette, elle est où? Mémé à Trio, c'est bonjour, merveilleux, c'est la reine des tricots. J'ai eu celle-là aussi, et celle-là aussi, la canette. La dernière canette est en dessous du distributeur sur le toit. T'es sérieux là? Tu te fous de ma... Eh les gars, si c'est pas vrai par contre, j'ai Ouban. Hein? Regarde sur les poutres. Mais quelle poutre? La seule poutre que tu vas prendre, c'est... C'est ma grosse poutre. Les gars, hé hey. Bah il mentit là, oh Raph, trouve-le, trouve-le. Trouve-le ce petit avatar. Mets-lui 48 heures. En dessous, mais t'es gentil toi, y'a rien en dessous frérot. Non, c'est un mensonge. C'est un mensonge pur et dur. Les mensonges, c'est 48 heures. Là, tu peux déjà genre mettre un 48 heures au mec qui a dit dans le bar, dans le frigo, etc. Tu peux déjà lui mettre un 48 heures. C'est bon, je les one shot. Ok. Bah là, fais-toi plaisir, Raph. Hein. Mets-leur des 48 heures. On va dresser un peu le chat là, parce que. Ils se croivent tout permis. Personne sait où la dernière quête? Cherche idiot. Je vais te mettre 48 heures de temps. Mais attends, mais c'est le vieux boomer lui. Dans le bar, la canette gratte la télé et tu l'as. Ok, t'es prêt à prendre ton 48 heures, frérot? Je pense que tu peux déjà le pré 48 heures celui-là. Tu peux déjà lui mettre un pré 48 heures, je pense.
exterminer. En descendant chez moi, prenez la ruelle jusqu'en bas et chez lui. Allez au bout, vous verrez un graffiti qui est aussi un souvenir avec un distributeur à gauche. Descendant de chez Momo, prenez la ruelle juste en bas. Là, c'est là. Prenez la ruelle juste en bas de chez lui. Et allez au bout. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie là? Vous verrez un graffiti qui est aussi un souvenir avec un distributeur à sa gauche. Là, ici, là. Je crois que j'ai déjà fait ça. Hein. J'ai déjà eu du coup. Allez, Simus, ouvre la porte. Bah, s'y attendre, ce n'est pas facile pour Simus. Il veut plus entendre parler des historiens, il ne m'aidera pas. Je crois que j'ai une idée. Ouais, on va lui voler. Waouh! Je suis parti voir la solution, voir les emplacements. Juste en face de Morusque, sur le toit du bâtiment à gauche. Du panneau orange. Devant la laverie de Cosmo. Et monter les escaliers à gauche et à droite. La boutique de grand-mère. Sauter sur les poutres en bois dans la ruelle avec la lumière orange. Le balcon à droite. J'ai rien compris, frérot. Depuis le toit du bar, suivre les deux tuyaux en haut de la première capture ci-dessous. Sauter un gros tuyau à gauche. Au niveau de la pile de bouteilles de gaz, sauter sur les poutres en contrebas, puis sur le balcon. Je vais atteindre le distributeur. Eh, vous avez pas une vidéo, les gars? Ce serait peut-être plus simple, non? Sauter sur la poutre, mettre la poutre dans la gueule de... mec, frérot, c'est bon. Trouver le labo secret, petit extraterrestre. Je trouve... Ok. Attends, mais si je fais le labo secret maintenant, je pourrais pas trouver la canette, c'est sûr. Ok, alors. Chat. Chat, celui-là, je l'ai. C'est le premier. Canette 1, je l'ai, les gars. En face du magicien. Canette 2, à côté de la télé, on l'a. D'accord? À côté de la télé, c'est alors là, ok? Canette 3 en bas de chez Momo, ça c'est bon. C'est celle-là que j'ai pas. Canette 4, depuis le toit du bar. C'est méga vicieux, frérot, allô? Ah, le bar il est juste là. J'ai la dernière canette là dans 2 secondes. Ok, comme ça je veux pas perdre votre temps. C'est là non? Attends, il y avait ça. Il y avait ça, non?
Putain, bordel de chiasse. Saute, connard. Oh, le con. Attends, je suis sur le toit du bar, là, non? Toujours pas. Putain, mais quel chat de merde! Mec, la solution est nulle. Eh, hey, fais gaffe. Ok, là, je vais suivre la solution. Donc, le toit du bar, il est là. Voilà. Elles sont où ces poutres à la con là? Ça doit être ça, hein, c'est sûr, c'est là. Rester avec gamer, moi de toute façon, j'ai le pressentiment là. Le gars, il est à côté des ventilos, mec. Non, mais c'est là, hein. C'est vraiment là où j'étais, les gars. Ah, c'est sur un balcon. Eh, c'est vraiment vicieux de ouf. Les gars, je l'ai, c'est bon. C'est sur un vieux balcon pourri, les gars, regardez. Donc là, t'arrives ici. Et là, vous voyez, là, le distributeur. Donc il avait raison les gars, Raf, il avait raison, c'était en dessous du premier. Il avait raison frérot. Tu peux le détime out, ça me casse les couilles quand même. Mais vas-y, tu peux le détime out. J'ai la dernière canette les gars, j'ai fini le jeu. Yes. Ok, celle-là, hey, les gars, j'ai trouvé toutes les autres legit, pas celle-là, d'accord? Excusez-moi. Ça. Là, tout ce qui tombe dans notre poubelle, c'est du trésor. Tu devrais rendre visite, Ray. Il y en a. Il est pas là, le mec qui a froid. J'achète. Une ancienne relique du témoignage du talent de nos ancêtres. 3 canettes. J'achète. Cheater. Je suis pas cheater. Imprison. À l'époque, il avait aucune personnalité. Il était simple un agent d'entretien. Il est vivi par l'unité des humains et selon moi, une bonne chose. Comme s'il avait manqué, les nains sont des bons robots. Mec, j'ai trouvé toutes les partitions solo, genre quel cheater. J'ai trouvé toutes les partitions solo. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai déjà dit, passer par les égouts est une mission suicide, laissez-moi tranquille. Qu'est-ce que c'est? Attends, c'est celui de mon père. Ah oui, j'en savais rien. Il y a une pièce secrète dans notre appart, mais où ça? Dis-moi où c'est, connard, va. C'est là. Oh là là, je suis trop chaud. Oh hein? Je suis trop chaud, j'ai déjà trouvé le bouton secret, regarde. J'ai trouvé la pièce secrète. J'ai la pièce secrète, les gars. Elle est sacrément profonde, par contre. Elle est sacrément profonde, cette pièce secrète.